Donc l'adhésion à Toul, c'est la faute des médecins. Si le patient n'adhère pas au traitement, c'est que le médecin n'explique pas très bien. Ou en tout cas, que le médecin ne prend pas le temps. Oui, c'est ça. Et c'est ça le challenge. Il y a des pays, par exemple, comme le Canada, où il y a des, ce qu'on appelle des behavioralists, des comportementalistes, c'est-à-dire des gens, c'est en général des psychologues, qui passent leur temps, leur journée à aider les médecins et à aider les patients à changer de comportement. Ça prend du temps. Et nous, aujourd'hui, dans nos activités cliniques, je pense qu'on ne consacre pas assez de temps à ces patients. Alors, un petit truc, est-ce qu'on peut identifier les patients qui sont prêts à changer et chez lesquels on devrait mettre le plus d'efforts? Ce sont les patients qui vous disent oui, mais. D'accord? C'est-à-dire, docteur, j'aimerais bien faire le régime français, mais c'est trop dur. J'aimerais bien prendre des médicaments pour l'hypertension artérielle, mais j'ai lu qu'il y a des effets indésirables. Les patients oui, mais sont les meilleurs patients. Ce sont les patients qui sont prêts à être aidés et chez lesquels vous pouvez mettre en place des stratégies. Ceux qui font, ben, ils font. Ceux qui ne veulent pas faire, vous allez perdre beaucoup de temps. C'est souvent les patients pour lesquels on perd beaucoup de temps à les convaincre de changer. Mais les oui, mais, ce sont les bons patients chez lesquels vous pouvez appliquer ces stratégies. Merci. Alors, nous avons de très nombreuses questions. Je vais vous demander d'être relativement bref dans les réponses pour essayer de les couvrir toutes ou presque toutes. Je commence par le professeur Abir. Deux questions. La première, c'est quelle est la place de la MAPA dans le diagnostic? Est-ce qu'elle ne devrait pas être systématique? Et la deuxième, c'est le pronostic de l'acheter à blouse blanche. Pour la première question, les recommandations actuelles encouragent à faire pratiquement pour le premier diagnostic la mesure ambulatoire de la pression, sauf peut-être pour des cas où la pression est normale, sans discussion, ou très très haute, sans discussion. Pour la deuxième question, le pronostic de l'hypertension artérielle blouse blanche est... Ce n'est pas exactement le pronostic d'un patient strictement normotendu. On sait que c'est des patients qu'il faut surveiller parce qu'ils ont plus de probabilité de passer à l'hypertension que les autres. Voilà, j'espère que c'est court. Alors, professeur Amar, par rapport à votre topo sur l'HTA secondaire, déjà, avant de vous parler un petit peu des questions qu'il y a dans les slides, alors déjà, pour être déjà pratique, quand vous suspectez une HTA secondaire, avec quoi vous allez démarrer le premier bilan, si vous n'avez pas de suspicion diagnostique pour aucun diagnostic d'HTA secondaire? Alors, très sincèrement, on fait tout en même temps, c'est-à-dire que pour ne pas faire revenir les patients, on va leur arrêter les médicaments pour les mettre sous traitement neutre, et après, en fait, on va les prendre quelques heures dans la matinée dans lesquelles on va leur faire un ionogramme sanguin, un ionogramme urinaire. Ils vont venir avec 24 heures d'urine, on aura l'aldostérone, les méthanéphrines et le cortisol. Et quand ils viennent à l'hôpital, on fera le dosage de rénine-aldostérone et l'angioscanner. D'accord. Donc, vous faites tout un petit peu systématiquement au début. D'accord. Alors, les questions qui figurent un petit peu dans les slides. Alors, que faites-vous chez un patient qui est sous alpha-bloquant et qui fait des hypotensions? Indépendamment de l'HTA secondaire? Moi, ça n'a rien à voir avec l'HTA secondaire. D'accord. Sauf s'il y a d'autres. Alors, on n'a pas d'indication tellement à utiliser les alpha-bloquants en théorie, c'est-à-dire que Georges l'a redit tout à l'heure. Normalement, maintenant, dans les stratégies de prise en charge d'hypertension artérielle, on va avoir les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les inhibiteurs calciques, les diurétiques, la spironolactone. Donc, finalement, les alpha-bloquants, ça va être que chez des patients qui sont en cinquième ligne de traitement antihypertenseur. Et donc, et très sincèrement, on a les bêta-bloquants aussi. Enfin, donc, du coup, on a finalement très peu de patients au long cours sous alpha-bloquant. Si on parle des patients phéochromocytomes, effectivement, ça peut être un enjeu. Mais les patients qui ont des phéochromocytomes, les alpha-bloquants, on ne les met que dans une logique de préparer à l'intervention chirurgicale. Et donc, c'est des durées très courtes. Ce qui est important, c'est de faire attention à leur état d'hydratation. D'accord. Alors, et comment vous allez gérer un hyperaldostéronisme plutôt secondaire cette fois-ci? Alors, les hyperaldostéronismes secondaires, la première question qu'on va se poser, c'est la cause. Donc, est-ce qu'il y a une hypertension artérielle rénovasculaire? Est-ce qu'il y a une tumeur à rénine? Est-ce qu'il y a les phéochromocytomes aussi, ça peut. Donc, on a une question de causalité qui n'est pas établie. Après, en termes de prise en charge thérapeutique, c'est des bloqueurs du système rénine-angiotensine.
ça marche bien, tellement bien qu'on a tendance à les introduire très doucement. Donc on utilise du captopril à très faible dose et on augmente doucement les doses parce qu'on a toujours un petit peu peur d'un effet première dose. Et plus la rénine est élevée, plus on peut avoir cet effet première dose. Alors, nous avons de très nombreuses questions sur le sel. Oui, Total Lena. C'est juste une question ou vous voulez continuer avec ma question, ok. Ma question, c'est pour Dr Amar et Dr Eret. Pour la méthode du dosage de la quantité de sel que le patient prend chaque jour, je croyais que les néphrologues ont éliminé cette manière de quantifier la prise de sel journalière, de faire le sodium urinaire 24 heures après. Je croyais que ce n'est plus validé parce que l'élimination du sel, c'est pas sûr qu'elle va se faire dans les 24 heures juste après la consommation. Et donc, c'est une méthode qui est à oublier pour quantifier combien on mange de sel. Et ma deuxième question, c'est pour Dr Amar, pour les HTA secondaires, puisqu'on sait que pour le bilan hormonal, quand même, il y a trop de contraintes pour arrêter tout ce traitement chez un patient qui a des chiffres tensionnels très élevés. Est-ce que vous ne pensez pas que faire un scanner TAP au début, avant de faire les dosages hormonaux, quoi, si le TAP est normal, on a pratiquement éliminé toutes les causes secondaires, sauf si la suspicion d'une HTA secondaire est très forte? Merci. Alors, pour la question du sel, là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, en théorie, quand on regarde précisément, un dosage de natriurèse sur 24 heures, un jour, n'est effectivement pas un reflet propre de la vraie consommation de sel. Après, ça donne une idée. Dans le monde de la physiologie, ils ont tendance à le faire sur une semaine tous les jours. C'est juste qu'en routine clinique, une semaine tous les jours, ce n'est pas possible. Nous, dans la logique de recherche d'hypertension artérielle secondaire, on veut vérifier que le patient n'est pas complètement déshydraté au moment des dosages, en fait. C'est la question qu'on pose. Donc, du coup, ça nous suffit pour avoir une idée de l'état d'hydratation. Est-ce que c'est extrêmement précis? Vous avez raison, ça ne l'est pas. Tu veux répondre? Tu veux compléter sur la question? Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je pense que pour avoir une idée, c'est déjà pas mal. Après, je pense que la question clé, est-ce qu'on peut le faire sur un spot? On peut aussi se faire une idée peut-être. Souvent, j'aime quand même le 24 heures. Ça ne me donnera peut-être pas 12 grammes versus 10 grammes, mais 6 versus 12. Pour votre question du scanner, en fait, le problème principal, vous avez raison sur tout ce qui est rénovasculaire, vous avez raison sur ce qui est fait au chromocytome, on le verra sur un scanner. Hypercortisolisme, dans la grande majorité des cas, on a des surrénales pathologiques. L'hyperaldo primaire, ce n'est pas vrai. Et donc, l'hyperaldostéronisme primaire, donc en fait, si vous faites un scanner chez un patient, notamment qui a une HTA sévère, donc c'est ceux qui vont le plus bénéficier du diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire, et que le scanner est normal, ça sous-entend que vous n'allez pas pousser les explorations. Sauf que c'est eux qui en bénéficient le plus, et ce qu'on sait, c'est que 30% des patients avec des surrénales normales ont une vraie latéralisation au cathétérisme surrénalien et sont guéris en post-opératoire. Donc il y a une vraie perte de chance pour certains patients, en fait. Professeur, mais par contre, 2 semaines d'arrêt de médicaments antihypertenseurs, en fait, il ne se passe rien, on les met sous traitement neutre. Professeur Amar, j'ai une question sur la polykystose et le sel. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors là, normosacral. Normalement, on conseille les recommandations, c'est effectivement de diminuer, d'avoir une consommation hyposodée comme chez tout patient hypertendu. Très sincèrement, je ne suis pas du tout une experte de polykystose, mais je n'ai pas en tête qu'il y a des recommandations spécifiquement différentes pour la polykystose. Je pense que normalement, on conseille de garder un régime normosodé parce qu'on risque d'aggraver la fonction rénale. Ah non, alors ça, il y a une différence entre le normosodé et la réalité, c'est-à-dire qu'en théorie, on estime que tout le monde devrait être à 5 à 6 grammes de sel par jour. En France, en tout cas, on n'est pas du tout dans ces chiffres-là. Georg a montré tout à l'heure que chez vous, apparemment, ça fluctue un peu plus, il y a des ranges. Mais je pense qu'on ne veut pas que les patients soient déshydratés, mais en théorie, à 5 à 6 grammes de sel par jour, on n'est pas déshydraté, quoi. D'accord, alors je passe au professeur Eret. Non, vous attendez d'abord qu'on termine la liste de ceux qui nous ont écrit. Question intéressante sur la place du régime sans sel chez le sujet normosodé, normotendu. Oui, je pense que c'est une question intéressante. On peut toujours gagner quelque chose, c'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire normotension? On avait beaucoup de discussions par rapport à ça. Et je pense que la normotension, c'est particulièrement relevant chez un patient qui a haut risque. Moi, je vous encourage d'aller. C'est clair que 139 sur 89 de tension artérielle chez quelqu'un qui a fait un infarctus, ce n'est pas suffisant.
faut qu'il soit en dessous de 130, 80, voire plus bas, en dessous de 120, aussi longtemps que ce n'est pas un patient âgé, frêle ou qui a une hypotension orthostatique, on peut aller très bas. Donc, dans ce sens-là, ça peut valoir la peine, même si on est normotendu. Alors, qu'est-ce que vous pensez des sels de substitution ? Alors, il y en a beaucoup. C'est aussi un marché avec un intérêt financier, je pense. Ce que je trouve dérangeant, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune étude très convaincante, même SSRSS, qui a prouvé que ça soit vraiment quelque chose de très, très efficace. C'est sûr, de donner le choix aux patients, soit vous prenez plus de sel et c'est ça, versus quelque chose qui substitue, c'est toujours un peu plus facile. Après, il faut que le patient aime. Ce n'est pas très satisfaisant, les substitutions qu'on a, à mon avis. Alors, une autre question, c'est la corrélation entre sel et tension artérielle élevée. On sait que quand on mange beaucoup de sel, la tension monte. L'inverse n'est pas prouvé de manière formelle. Est-ce que le fait d'avoir des diurétiques pratiquement systématiquement dans une combinaison thérapeutique ne répond pas à la question du sel? Alors, je pense que l'évidence qu'une diminution de la consommation de sel est associée, et là, je n'ai pas de doute par rapport à la causalité, à une diminution de la tension, il y a une très bonne évidence. Je pense que le problème de l'évidence, c'est que est-ce que cette baisse de la tension dans la population se traduit par une diminution des événements cardiovasculaires? Le point sensible est là. Mais non, je n'ai pas tout à fait répondu à la question, je crois. La deuxième partie de la question était, pardon. Est-ce que le fait qu'il y ait des diurétiques dans les combinaisons thérapeutiques ne suffit pas pour que avoir un régime d'SOD ne soit pas quelque chose d'important? Non, même si on utilise un diurétique, si vous diminuez la consommation de sel, vous allez quand même, chez certains patients, avoir un impact sur la tension artérielle. Juste décoder, entre guillemets, avec le diurétique n'est pas tout ce qu'on peut avoir. On peut avoir plus. D'accord, merci. Je passe au professeur Atul Patak. Quelle est la place de l'épreuve d'effort chez l'hypertendu? Alors, l'épreuve d'effort est vraiment quelque chose que vous devez jeter aux oubliettes. L'épreuve d'effort, dans les dernières recommandations, à un niveau de preuve très faible lorsqu'il s'agit de l'utiliser pour dépister la maladie coronaire ou l'ischémie en général, ou surveiller ou monitorer la maladie ischémique ou coronaire. Donc, aujourd'hui, les approches sont vraiment différentes. Si vous voulez évaluer le risque cardiovasculaire, peut-être le recours au score calcique pour la reclassification du risque. Si vous recherchez une sténose hémodynamiquement significative, plutôt le recours au coroscanner. Si vous êtes en quête de qualifier et de quantifier une ischémie, plutôt écho de stress, scintigraphie myocardique ou IRM à l'adénosine. Mais l'épreuve d'effort, vraiment, n'a pas sa place dans la gestion tout venante de l'hypertendu. Il y a une seule exception, c'est l'hypertension artérielle diastolique, pour laquelle certains travaux démontrent que l'élévation de la pression artérielle diastolique à l'effort peut être un critère pour initier un traitement. Et puis, je dirais, dans les situations un petit peu atypiques où vous suspectez une insuffisance chronotrope ou sémiologiquement, il y a vraiment une caractérisation clinique à l'effort nécessaire. Mais vraiment, il faut aujourd'hui travailler la cardiologie différemment et ne plus recourir à l'épreuve d'effort. Est-ce que je peux rajouter juste une mini-remarque au professeur Patak? J'ai une autre situation que je trouve assez utile pour le test effort sur vélo simple, c'est que le patient vous dit... Je fais énormément de sport, docteur. Je ne peux pas faire plus. Je vais tous les jours courir, etc. Et puis, vous voyez que ça ne peut pas vraiment jouer. Je pense que là, le test effort peut être une belle démonstration des capacités physiques du patient et lui dire, écoutez, ça ne peut pas être que vous ne faites pas de sport. D'accord. Oui. Donc, très bien. Donc, juste avant de passer deux ou trois questions dans la salle, professeur Abir, qu'en pensez-vous de mesurer la tension artérielle aux membres inférieurs? Oui, c'est une alternative à laquelle on est parfois forcé, oui. Particulièrement chez les patients et surtout les patientes qui ont une maladie de Takayasu ou qui n'ont pas de pouls au niveau des membres supérieurs. Cependant, il faut aussi des conditions.
Il ne faut, faut pas que le patient soit assis, contrairement à la mesure classique. Donc, on préfère la faire chez un patient allongé, parce que quand on s'assoit, forcément, ce n'est pas la même chose. Mais oui, c'est une alternative chez certains patients. Il faut qu'on soit sûr qu'il n'y aurait pas d'AOMé. L'artériopathie, il faut qu'on soit sûr. Oui, oui, ben on palpe les pouls des membres inférieurs, autrement, okay. Est-ce qu'il y a des questions s'il n'y a pas de pouls aussi. Bonjour, j'ai une question à professeur Eret concernant le régime hyposalé. Parce que le fait de dire aux patients de consommer moins d'une cuillère à café par jour, c'est un peu vaste. Est-ce qu'il y a une quantité de sel à prendre par repas? Par exemple, 1 à 2 grammes de sel par repas ou moins. Et aussi, je voudrais savoir si vous conseillez à vos patients une méthode pratique pour la lecture des étiquettes nutritionnelles. Et aussi, une question concernant le pourcentage de valeur quotidienne de chaque produit. Par exemple, pour le sel, il y a sur certaines étiquettes un pourcentage qu'on doit respecter pour dire qu'un produit il est moins salé ou il est hyper salé. C'est une excellente question, merci beaucoup. En partie, peut-être Laurence peut aussi commenter. Pour la première question, quantité de sel par repas, moi je dirais le moins possible. Pas du tout dire on peut donner un gramme par repas, parce que c'est clair que la majorité du sel est caché dans tout ce qu'on mange. Donc de préférence pas de sellière sur la table, de préférence mettre le moins possible. On est rapidement, je trouve assez fascinant, on est rapidement retenu par la qualité de vie du patient, parce que le sel, c'est bon. La deuxième partie de la question, je crois que c'est la troisième, les étiquettes, c'est quelque chose de très intéressant. Je pense très honnêtement, pour le sel spécifiquement, c'est un peu abstrait pour beaucoup de patients. Peut-être donner aux patients, et ça c'est typiquement une diététicienne qui peut le faire, un peu une idée, qu'est-ce qui est beaucoup, qu'est-ce qui est peu, pour identifier des aliments particulièrement riches en sel, mais au-delà de ça, je pense que c'est difficile. T'as un rajout ? Si je peux rajouter un mot de loin, y a trois petites choses. Donc, il y a des applications qui sont bien faites. Ne pas hésiter à donner à nos patients des petites cuillères qui dose le gramme de sel, parce que ça permet vraiment de quantifier la quantité. Et après, je suis d'accord avec toi, le vrai travail, c'est de travailler sur le sel caché. En fait, les patients oublient ou ne veulent pas savoir qu'il y a autant de sel dans les conserves, dans les aliments préparés, dans les restaurants. Et donc souvent, le photolangage, les approches éducatives où les diététiciennes, les infirmières s'assoient autour d'une table et jouent en faisant deviner les quantités de sel, ça marche très bien. Bien. Merci à tout le monde, merci aux intervenants, merci à mes co-modérateurs.